L'émission 300 Cœur fait sa rentrée des classes, ce jeudi 30 septembre 2021. Pour ce nouveau numéro, les personnalités invitées et les choristes ont eu la chance de chanter les titres des plus belles comédies musicales. Et il y aura parfois un air de nostalgie. Événement pour les besoins du tournage, Damien Sargue et Cécilia Cara se sont retrouvés. 19 ans après avoir partagé la scène à plusieurs reprises pour la comédie musicale Roméo et Juliette. Ils ont de nouveau donné de la voix ensemble, sans doute sur le titre culte Aimé. Le beau brun de 40 ans, classe en costume bleu foncé, et la charmante blonde de 37 ans. Divines en petite robe blanche, n'ont pas caché leur bonheur d'être réunis. Une joie que ressentiront. À coup sûr, également les téléspectateurs de France 3. Sur le plateau figurait également Hélène Ségara, ex-compagne de Damien Sargue et notamment connue pour avoir joué Belle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. A aussi répondu présente à l'invitation. Sans oublier Daniel Lévy qui, en toute logique, se faisait rare à cause du cancer du côlon dont il a souffert. Il a repris du service depuis et le chanteur emblématique des 10 commandements entamera bientôt une tournée dans toute la France. La production de 300 Cœurs a aussi pu compter sur la présence de Pascal Obispo. Patrick Bruel, Natacha Estépire, Nolwenn Leroy, Jean-Baptiste Guégan, Sarah Brictemont et Vincent Niclot. Michelangelo Lecomte et Julien Clerc. La nouvelle génération est représentée par Barbara Bravi. Kanji Girac, Louane, Valentina et Carla. Tous seront accompagnés par des choristes comme l'Académie internationale de comédie musicale. Gospel pour 100 voix, les Chœurs de France, le Chœur C4, l'Académie internationale de danse. Le Chœur symphonique de Paris, Mehay & Sing, le Chœur de Pierre, Voice de Jeté. Et ils reprendront des titres emblématiques de Notre-Dame de Paris, Starmania. Émilie Joly, Roméo et Juliette, La La Land, Mozart, l'Opéra Rock, le Fantôme de l'Opéra. Les 10 commandements, Sisté et Acte, les Demoiselles de Rochefort ou encore Flashdance. Rendez-vous à partir de 21h05 sur France 3 pour découvrir 300 Cœurs chantent les plus belles comédies musicales.